Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Ne regardez pas au nom, mais nous croyons que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est déjà là, il est déjà présent. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie parce que tu es content d'être dans la maison de Dieu? Alléluia! J'aimerais qu'on puisse véritablement honorer les pères de la maison, donc commençant par l'apôtre Alain Patrick Seigné, le visionnaire d'ACER, les ministères, pour les sacrifices qu'il paye au quotidien, pour que nous puissions grandir dans notre foi et être des véritables disciples qui allons impacter les nations. Amen. J'aimerais qu'on puisse honorer aussi notre mère spirituelle, le pasteur Paulette, le pasteur principal d'ACER, les ministères d'ACER Paris, pardon. Nous honorons Dieu pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Pour sa vie, alléluia. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer Dieu pour les différents pasteurs, pasteur ici et pasteur Isaac Toutou, pour leur vie, amen. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer Dieu pour le pasteur Augustin et maman Françoise, pasteur Françoise Dattier, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça pour leur vie? Et honorer Dieu, alléluia. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer Dieu pour le pasteur Siak et maman Liliane, alléluia. Ainsi que les 12 de pasteur Paulette. Je commence par la sœur Ingrid et la ministre Sabrina pour les sacrifices qu'ils payent au quotidien pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. J'aimerais aussi honorer Dieu pour les différents PE. PE Jessila qui me donne l'opportunité de me tenir devant. J'aimerais honorer Dieu pour le PE Julien, le PE Alexandre, le PE Rémi, alléluia. J'aimerais que tu puisses honorer Dieu pour ta vie parce que tu es venu ce matin pour louer Dieu, pour l'adorer, pour lui rendre un culte agréable. Amen. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu puisses te concentrer dans la présence de Dieu et remettre ce culte entre ses mains. Dire: Seigneur, je suis venu te rencontrer. Seigneur, je suis venu te chercher. Seigneur, je suis venu peut-être avec un état, mais je ne retourne pas comme je suis venu. Parce que je sais, Seigneur, que c'est auprès de toi que je trouve la solution, c'est auprès de toi que je trouve la joie, c'est auprès de toi que je trouve le réconfort, c'est auprès de toi, Seigneur, que je peux venir puiser. Oui, nous voulons puiser et te rendre un culte agréable, Dieu. Nous avons laissé nos occupations pour venir t'adorer, pour venir te louer, pour venir t'exalter, pour venir te magnifier, oh Dieu. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Nous remettons ces moments entre tes mains. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle. Merci Seigneur parce que tu saisis les cœurs. Merci Seigneur parce que je crois et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu viens transformer les vies. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, tu viens installer une atmosphère de paix, une atmosphère de joie parce que tu es là, oui, tu es présent parmi nous parce que ta parole le déclare. Là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Tu es présent. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta présence qui nous transforme. Merci pour ta présence qui vient encore, Seigneur, nous donner l'espérance, oh Dieu. La pada ba 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 ba. Si ta la ba 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 ba. Le kada ba 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 ba. Chale ba sete. Le ra ba 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 ba. Zekaya ba se. Elira ba sa ta ba de de. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Et nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi, ô Éternel. Les pata, mama, mama, mama. Cité les bachakada, mama, mama, mama. Zété les bradés, cité les masayaba. Et les kala, mama, mama, mama. Zété la mama, 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 mama. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Parce que tu es présent, merci Seigneur. Parce que tu es là et tu agis. Alléluia, est-ce que tu peux pousser un cri de joie dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu: Seigneur, je suis venu te louer et t'adorer. Et je crois qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Et nous allons dire dans ce chant: ce n'est pas fini, ce n'est pas fini pour toi. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis et tu traverses, j'aimerais que tu puisses maintenant élever ta louange au-dessus de toute chose, parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout et qui est capable de résoudre toute chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu? Yes. Est-ce que tu peux acclamer Dieu encore une fois?
yo, yo, ce n'est pas fini, yo, 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 sa gloire revient encore, yo, 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 ce n'est pas fini, yo, 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 sa gloire revient encore, yo, yo, yo. Yeah.
tu veux pousser un cri de joie en réalisant ces paroles, parce qu'elle revient sur toi, elle se manifeste. Alléluia. Yes. Nous allons encore continuer à louer Dieu dans cette même réjouissance. J'aimerais que tu puisses réaliser que la joie de l'Éternel est ta force. Peu importe les événements, peu importe les circonstances, qui te fortifie, c'est lorsque tu réalises que rien ne peut conditionner ta louange. Amen. Alléluia. Yeah. Est-ce que tu peux acclamer Dieu et pousser un cri de joie dans ce même élan? Alléluia. Tout
que tu peux acclamer Dieu pour la splendeur glorieuse de sa majesté. Nous te levons, Seigneur, et nous voulons encore proclamer que tu es Dieu, que tu es au-dessus de tout nom, que tu es au-dessus de toute chose. Oui, Seigneur, nous te glorifions. Nous t'élevons, oh Dieu Tout-Puissant. À toi l'honneur, à toi toute la gloire. J'aimerais que tu puisses maintenant fixer tes yeux vers Dieu. Parce qu'il est au-dessus de tout et il règne à jamais. Alléluia.
Dieu, adorer Dieu dans ce même élan et dire Seigneur, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu es digne d'être glorifié. Seigneur, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous voulons prosterner nos cœurs dans ta présence et dire Saint, ô Éternel, tu règnes à jamais. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Allons célébrer le repas du Seigneur. Et dans cette même attitude, en adorant le Seigneur, tous ceux qui ne sont pas baptisés d'eau, je vous demande de vous asseoir. Ceux qui sont baptisés, plongés, immergés dans l'eau dans les eaux du baptême, vous pouvez vous lever. Nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Pendant que les membres du protocole distribue la Sainte Cène, je vais vous lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 26, au verset 26, la Bible nous dit: pendant le repas, le Seigneur Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Est-ce que tout le monde a reçu le pain? Nous allons attendre ensemble. Ce que nous faisons ce matin, ce que nous faisons en général tous les premiers dimanches du mois, nous commémorons ensemble le sacrifice de Christ à la croix. Le Seigneur Jésus a donné son corps, sa vie, en sacrifice, afin que tout homme qui croit en lui reçoive la vie éternelle. Non seulement nous pouvons recevoir le salut au travers du sacrifice de notre Seigneur, mais ainsi, il nous a libérés du péché, il nous a libérés de la maladie, il nous a libérés de la malédiction.
Alors, ce matin, nous allons prendre le pain du Seigneur ensemble. Nous allons le manger. La Bible nous dit ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant, buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Prenons ensemble la coupe. Tu vas répéter après moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur. Pour cette alliance que tu as scellée par ton sang. Par cette alliance, je suis libre du péché. Je suis libre de la maladie. Je suis libre de toute malédiction. Je refuse tout symptôme de maladie. Je refuse toute chaîne d'addiction dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ce matin, encore, je te dis merci, Seigneur. Ce matin, je marche en nouveauté de vie. Ce matin, je marche libre de la mort, du péché et de la malédiction. Je marche et je vis dans la santé divine par ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons élever la voix. Nous allons tous ensemble remercier le Seigneur avec nos propres mots, avec notre propre voix. Nous allons lui dire encore combien son sacrifice à la croix nous a béni, combien son sacrifice à la croix nous a libéré de toute chaîne de malédiction. Merci, Père éternel, pour la vie. Merci, mon Dieu Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour la liberté.
Seigneur, pour ces moments, que ces temps soient sous l'influence de ton esprit et que la révélation de ta parole qui est claire nous donne de l'intelligence ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons honneur et gloire. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans Luc chapitre 12? Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Donnez un micro s'il vous plaît au Respostan. Ok, il a le micro, c'est bon. Luc chapitre 12. Est-ce que tu peux lire un peu plus en avant dans le bon contexte? Parce que à partir du verset, je dirais à partir du verset 19, mais monte un peu plus haut, je pense à partir de 15. Peut-être à partir du verset 15, ça reprend le bon contexte, peut-être. Luc chapitre 12, verset 15. Okay. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. La Bible dit, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, même dans l'abondance, il dit, gardez-vous de toute avarice. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Sinon, paix à son âme, Steve Jobs serait toujours vivant aujourd'hui. Tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours là? Peut-être qu'il faut repartir encore dans... Monte encore un peu plus haut. Verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ? » Est-ce que je suis votre notaire ? Est-ce que vous me payez pour être votre notaire ? Depuis quand je vais venir régler les histoires d'héritage ? Si tu veux régler tes histoires d'héritage, tu prends un notaire. Vous comprenez? Tu prends un homme de loi. Vous êtes toujours là? Et là, Jésus va identifier derrière cet homme de l'avarice et de la cupidité. C'est pour ça qu'après cela, vous suivez, il va donner cette leçon. Regardez la suite maintenant. Jésus répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos affaires ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Continue donc. Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que c'était un problème pour ce monsieur d'amasser autant d'argent? Le problème n'était pas là. La Bible dit qu'il le faisait pour lui-même, pour son repos. Il le faisait pour son confort et pour sa zone de confort. Quand tu le fais pour Dieu, Dieu te fait sortir de ta zone de confort. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose pour lui, ça vous dérange toujours et ça vous fait sortir de la zone de confort. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Pardonnez-moi, je ne vous ai même pas annoncé le titre. Le titre, c'est « D'où te vient cette force ?» D'où te vient cette force? Et on va voir différents types de forces pendant cette journée. On va voir la force physique, ok? On va voir l'onction, on va voir pas mal de choses. Quelqu'un me suit ici. D'où te vient cette force? Et on va vraiment apprendre pas mal de choses. Vous êtes toujours là?
Le problème de cet homme-là, dans Luc chapitre 12, le problème de cet homme, ce n'était pas le fait de s'amasser des richesses. La Bible dit qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Et c'est quoi être riche pour Dieu? Et à chaque fois que nous vous prêchons la richesse, le but ici, c'est de ne pas vous servir, de ne pas... En fait, quand nous vous prêchons la richesse et la prospérité, c'est pour que vous soyez riche pour Dieu et riche selon Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il n'y a que des personnes très mal intentionnées qui prennent mes propos, qui les tordent et me font passer pour ce que je ne suis pas. Est-ce que vous me suivez? J'ai toujours vécu pour Dieu, toujours. Et j'ai toujours été un modèle de consécration. Que ce soit mon argent, que ce soit ma force, que ce soit mon temps, que ce soit ce que le Seigneur m'a donné, j'ai toujours consacré cela à Dieu. Et je vis pour Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ça que je m'efforce de vous enseigner, de vous montrer. Vous ne devez pas vivre pour vous-même, vous devez vivre pour Dieu. C'est important. Est-ce que vous me comprenez? Et j'ai vu trop de chrétiens. Je vous dis, en 33 ans de vie chrétienne, à chaque fois que je vous parle, le nombre d'années, de mon nombre d'années dans les églises, le but là, ce n'est pas de me vanter. Le but, en fait, c'est de vous dire que j'ai vu tellement de choses. 33 ans, c'est suffisant pour avoir vu déjà pas mal de choses et être légitime pour pouvoir parler à des jeunes de 20, 21, 22 ans qui n'ont même pas encore mis 33 ans de vie dans les églises. Ça me donne sérieusement la légitimité. J'ai vu trop de gens à l'église vivre pour eux, réussir leur carrière, réussir leur vie, mais ne pas réussir la vie. Parce que vous pouvez réussir votre vie et ne pas réussir la vie. Il ne faut pas blaguer avec ça. Je vous dis tous les dimanches que la vie ici sur terre est une parenthèse de l'éternité. Quand vous serez dans l'éternité, je vous garantis que vous allez regretter ce que vous n'avez pas pu faire dans cette petite parenthèse. Parce que l'éternité dépend de cette petite parenthèse de la vie. Vous venez de l'éternité, vous allez dans l'éternité, la vie sur cette terre n'est qu'une parenthèse. Et donc ça ne sert à rien d'être égoïste, d'être cupide, d'être avare et de tout le temps penser à soi, 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 soi. Vous comprenez? Et ne pas penser aux intérêts de Dieu et ne pas penser aux autres. Est-ce que vous me suivez? Et c'est cette mentalité que j'essaie de développer en vous. Parce que quand le message est enraciné, les vents, les tempêtes ne peuvent pas te déstabiliser. Tu sais en quoi tu crois. Quelqu'un me suit ici? Certaines personnes me disent, mais apôtre Alain Patrick, vraiment je bénis ton courage parce que malgré tout ce qu'on dit, malgré les persécutions, tout ça, tu continues à prêcher ce message. Je ne peux pas prêcher autre chose, je suis enraciné là-dedans. Je suis enraciné. Vous êtes là? C'est des choses dont je suis convaincu depuis des années et des années. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre. Vous comprenez? Pour que les prochaines années de votre vie soient basées sur des bons fondements et que votre éternité soit assurée. Vous comprenez? Par rapport à cette parenthèse ici sur cette terre. Vous êtes toujours là? Il y a une sœur un jour qui m'a béni, ok? Elle m'a vraiment béni, elle est venue. Après tout ce que les gens ont raconté, il y a son oncle, sa mère qui l'ont fait asseoir et qui ont commencé à la persécuter. Vous comprenez? Elle lui dit non, pars pas dans cette église, nanani, nanana. Elle a dit à sa mère, elle a dit maman, est-ce que tu me fais confiance? Elle dit oui, bien sûr que je te fais confiance. Elle dit maman, crois-moi, mon pasteur n'est pas comme ils disent là. C'est moi qui le côtoie tous les dimanches. C'est moi qui le côtoie tout le temps. Je te garantis, il n'est pas comme ça. Et les parents l'ont laissé tranquille. Si vos parents ne vous laissent pas tranquille après ça, c'est qu'ils ne vous font pas confiance. Et s'ils ne vous font pas confiance, c'est parce que vous avez peut-être fait preuve d'immaturité. Et vous ne pouvez pas faire preuve d'immaturité à la maison avec tous les enseignements qu'on vous donne. On vous dit qu'avec les enseignements qu'on vous donne, vous devez prendre 10 ans de plus. Quelqu'un me suit ici? Si on doit encore vous poursuivre pour faire la vaisselle, tu es immature. Si on doit encore te poursuivre pour faire ta chambre, tu es immature. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne comprends pas qu'il faut être la tête et non la queue à l'école, tu es immature. Vous êtes toujours là? Maintenant, mes bons sangs, mais lisez vos Bibles. Pourquoi vous vous laissez impressionner par des païens qui ne lisent et ne comprennent pas la Bible? Mais c'est quoi ce christianisme où on a la trouille de défendre ses convictions? Vous ne pouvez pas être puissant si vous ne pouvez pas défendre vos convictions.
C'est dans la Bible. Et c'est sur ça que je me base pour vous prêcher. Amen. Écoutez, s'il n'y avait pas de témoignage, si ce n'était pas réel, s'il n'y avait pas de témoignage dans ma vie, s'il n'y avait pas de témoignage dans la vie des gens, vous comprenez? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est le témoignage qui atteste que ce que nous prêchons est réel, que celui qui donne reçoit abondamment. Quelqu'un me suit ici? Les gens du monde disent, on vous manipule, mais la Bible dit, on vous éduque. Et pourtant, ce qu'ils appellent manipulation, ils sont nombreux à faire ça, mais on ne qualifie pas ça de manipulation. Même la loi ne qualifie pas ça de manipulation. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? Et nous, on est chrétiens, on s'aligne avec les païens. On ne se rend pas compte qu'en s'alignant avec les païens, on prend la direction de l'enfer avec eux. Quelqu'un me suit ici? Aligner, s'aligner, faire le rang. Mais ils vont où? En enfer. Et vous alignez vos raisonnements à eux, alors que eux, ils sont en train d'aller en enfer. Vous êtes là? Et là, vous êtes là, vous me dites, mais apôtre Alain Patrick, où est le rapport entre ce que tu enseignes là et ton thème? Regardez le lien. Deutéronome. Vous prenez Deutéronome. Chapitre 8, verset 17. Deutéronome, chapitre 8, verset 17. Deutéronome, chapitre 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. Continue. Si tu oublies. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Beaucoup de gens sont ingrats, y compris les chrétiens. La Bible a dit que même la force que tu as là d'aller travailler, c'est Dieu qui te la donne. Pourquoi? Parce que cette force, elle vient du souffle qu'il t'a donné et Dieu peut reprendre ce souffle. Et la parabole que nous avons lue là, du monsieur qui s'est enrichi, et Dieu lui a dit, ce soir même, insensé, tu vas mourir. Et la personne est morte, elle a laissé tous ses biens. Cette parabole-là, vous comprenez? C'est une épée de Damoclès pour toutes les personnes qui ne réalisent pas qu'ils doivent vivre pour Dieu, que leur richesse appartienne à Dieu. Une épée de Damoclès. Vous savez, il y a une chose que Raoul Ouafou me dit souvent. Il me dit, Alain, tout ce que nous possédons aujourd'hui, même les millions que j'ai, demain là je meurs, je laisse ça à d'autres personnes. C'est pour ça que servons le Seigneur avec notre argent. C'est pour ça que moi je mets de l'argent dans les croisades, je mets de l'argent dans tout ce que je fais pour le Seigneur, parce que tout ça là ne sert à rien. Le seul moyen de transférer ça de la terre vers l'éternité, c'est en donnant pour l'œuvre de Dieu. Vous me suivez? Et si un multimillionnaire le dit, combien plus forte raison, toi qui gagnes 1500 euros par mois? Vous me suivez? La force. Ne dis pas que tu l'as acquis par ta propre force. D'où te vient cette force? Ce passage biblique-là, le premier niveau de la force qu'on voit ici, c'est la force physique. Vous me comprenez? La force physique. Quand quelqu'un meurt, okay, son corps reste là, son corps n'est plus qu'un cadavre. La force n'est plus dedans, le souffle n'est plus dedans, la vie n'est plus dedans. Donc, qu'est-ce qui anime ton corps? C'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Écoute, ce qu'il y a dans ton corps là, ça vient de Dieu. Et Dieu dit qu'il est capable de reprendre ça. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Ça veut dire que ça seulement, c'est suffisant pour que tu puisses lui rendre grâce. David a dit, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Tu es quel type de chrétien lorsque des opportunités pour démontrer au Seigneur que tu as eu raison de me bénir arrivent, toi tu fouilles? Tu es quel type de chrétien? À chaque fois qu'il y a des opportunités
N'hésitez surtout. David a dit, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment rendre? Un chrétien à chaque fois doit se dire, mais Seigneur, comment est-ce que je dois te rendre tout ce que tu as fait pour moi? Quelqu'un me suit ici? Regardez, un jour, j'étais adolescent et je me regardais dans le miroir et je trouvais mon nez trop gros. Je disais, mais Seigneur, mon Dieu, ce nez-là, il est trop gros. Et mes cousins m'embêtaient avec ce nez, vous suivez, c'était compliqué. Tu arrives à la maison, les cousins font juste ça. Jean pour dire, ton nez est balèze. Quelqu'un me suit ici? On te disait plein de choses. Non, ton nez est tellement balèze que le camion de je ne sais trop quoi peut passer dedans. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quand je me regardais en face du visage, du miroir, je trouvais mon nez vraiment gros. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, si tu pouvais me délivrer de ce nez, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me délivres de ce gros nez-là, je vais te servir toute la vie. Quelqu'un me suit ici? Des mois plus tard, mon visage a grossi. Et donc, le nez est devenu un peu plus petit. Donc, Dieu a rééquilibré le visage. Et peut-être que je le sers à cause de ça. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a des personnes qui disent, oulala, oulala, je suis trop beau. Je ne mérite pas d'être à l'église parce que j'ai trop de tentations. C'est une punition, c'est trop. Tu vis dans la sainteté parce que tu n'as pas de tentation, parce que tu es vilain, parce que tu es... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y en a qui disent, je suis trop beau pour vivre dans le péché, donc je vis dans la sainteté. Quelqu'un me suit ici? Il y en a qui ont une autre mentalité. Quand je me regarde, je dis, pas mal. Et pas mal, vraiment pas mal, merci Jésus, pas mal. Et je regarde quelqu'un, je dis, ouh, mon Dieu, mais merci Seigneur. Je dis, pour ça, je vais te servir. Quelqu'un me suit ici? Je dis, pour ça, je vais te servir. Vous allez trouver que je me vante? Désolé, je ne me vante pas. Je loue Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a des moments, je me regarde à la télévision, à l'écran, je dis, franchement, photogénique ce gars. Je dis, mais beau gosse ce monsieur. Vous comprenez ça? Et je dis chaque fois, ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a une sœur un jour, elle regardait sur un site où j'apparaissais. Elle dit, je vais aller prier dans quelle église? Je vais aller prier dans quelle église? Donc elle faisait passer la liste des hommes de Dieu. Elle regardait, oh, il est mignon hein, cet homme de Dieu. Elle a cliqué, vous comprenez? Quand elle a cliqué, elle a vu mes prédications. Elle a été touchée par la prédication. Elle est venue à l'église et quand on lui a demandé, mais comment tu as fait pour venir? Elle dit, je t'avoue, moi c'est ta tête qui m'a plu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Mais ça, c'est des alliances que j'avais avec Dieu depuis la jeunesse. Je regardais, je dis, oh merci Seigneur, je ne suis pas infirme. Merci Seigneur, je ne suis pas aveugle. Merci Seigneur, ça va quand même. Je regarde mon visage, ça passe. Ça passe. Est-ce que vous me suivez? Et je dis, à cause de ça, je vais te servir. Et toi qui me regardes, tu as bien plus que ça. Mais tu es dans une ingratitude qui a atteint un paroxysme terrible. Ça y est, non, tu es ingrat. Est-ce que vous voyez pour des choses simples comme ça, je remercie le Seigneur. Il m'est arrivé de faire des offrandes pour l'église qu'il m'a donnée. Je dis, Seigneur, j'ai déjà eu des brebis terribles. Merci Seigneur, ces brebis-là, vraiment, elles me bénissent. Quoi. Elles aiment tellement Dieu. Et je viens, je fais une offrande juste à cause de vous. Quelqu'un me suit ici? Je remercie le Seigneur. Je trouve, comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Quand il y a une occasion de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné, je le fais. Vous me comprenez? Je le fais. Comment rendrai-je à l'Éternel? Parce que la force là, c'est lui qui vous la donne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tombent gravement malades et qui ne peuvent plus repartir travailler? On ne devient pas riche en étant à l'assurance maladie. Hein? En touchant l'assurance maladie, ce n'est pas comme ça qu'on devient riche. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? L'assurance maladie ne vous donnera jamais des millions. Vous comprenez? Parce que vous êtes malade, donc l'assurance maladie dit, on va vous payer 1 million par mois, tu es malade, machin. Non, l'assurance maladie n'est pas faite pour ça. Vous comprenez? Donc là, vous avez la force et l'énergie. Pour créer des richesses, il faut remercier le Seigneur. Et quand il y a des opportunités, n'oubliez pas, il faut le faire. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? La Bible nous parle de Zachée.
La Bible nous parle de Zachée, quelqu'un qui avait vraiment volé. Il avait volé au peuple, il avait volé à plein de gens. Quand Jésus est entré dans sa maison, il a été touché. La Bible dit qu'il est parti récupérer. Il a pris tout ce qu'il avait volé et il a remboursé. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'entre nous, nous savons ce que nous devons donner au Seigneur pour pouvoir le remercier pour tout ce qu'il a fait. Nous connaissons les promesses que nous lui avons faites. Nous lui avons dit, Seigneur, si tu me donnes ça, je te donne ça. Et il t'a donné et tu as oublié Dieu. Et tu te dis, oui, mais est-ce qu'il avait même entendu? Oh si! Il avait entendu et il attend. Quelqu'un me comprend ici? C'est le moment de rendre. Dis à ton voisin, rends. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme, le souffle. Chez chaque être humain, il y a une capacité curative. Mais ça, c'est à cause de l'esprit que Dieu a mis dans l'être humain. Quelqu'un me suit ici? C'est Dieu qui envoie des esprits sur la terre. Il y a certains qui disent non, c'est systématique. Quand un homme va avec une femme, ok, le spermatozoïde atteint l'ovule, et après l'œuf, et après systématiquement, ok, il y a une loi spirituelle qui dit que l'esprit rentre systématiquement, ok, dans ce truc qui s'est formé. Non, ce n'est pas si systématique que ça. Si c'était si systématique que ça, dites-moi pourquoi il y a des fausses couches. Si c'était si systématique que ça, dites-moi pourquoi il y a des grossesses à l'intérieur qui ne sont pas viables. Parce que l'esprit n'a pas pénétré à l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? C'était un être vivant, mais il n'y a pas eu l'esprit de Dieu. Est-ce que vous savez que tous les êtres vivants n'ont pas l'esprit dedans? Je redis, le microbe est un être vivant. Mais le microbe n'a pas le souffle que tu as. Quelqu'un me comprend ici? Non, ce n'est pas si systématique que ça. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas si systématique que quand un homme et une femme vont ensemble, ok, il y a, comment on appelle ça, la fécondation qui se fait systématiquement, le ciel décide d'envoyer un esprit dedans. Non, non, il y a des moments où le ciel, vous comprenez, n'envoie pas l'esprit dedans. Quelqu'un me suit ici? Et la grossesse n'arrive pas à son terme. Vous me comprenez? Et ça, c'est le ciel qui décide ça. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Quand tu es là, tu respires. Fais. Vas-y, fais-le. Tu respires, n'est-ce pas? Les autres qui n'ont pas fait, je pense que c'est des extraterrestres. Donc, eux, ils ne respirent pas. Hein? Ou ils ne respirent pas, les porcs, hein? Ça va partout ici, là. C'est pour ça qu'il transpire beaucoup, des transpirateurs. Mais pourquoi tu transpires comme ça? C'est par là où je respire. Vous êtes là? Acclamez le Seigneur. Non, acclame bien, acclame bien. Est-ce qu'on peut se lever pour l'homme de Dieu qui nous a apporté, nous donner une introduction puissante? Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? J'aimerais que tu puisses fermer les yeux maintenant. Ferme les yeux, ne me regardez pas. Je veux voir tout, les yeux fermés. Je vois encore des yeux ouverts. Fermez les yeux, fermez les yeux. C'est un temps où on va se concentrer pour une chose extrêmement importante. Tu es venu accompagné par quelqu'un ou tu es déjà venu seul et tu ne t'es jamais approché pour accepter le Seigneur. Tu hésites, tu es toujours là. Tu ne sais pas si tu dois aller. Tu as peut-être peur du lendemain. Mais laisse-moi te dire que même si tu as lutté toute ta vie par tes propres forces. L'apôtre a dit une chose, c'est Dieu qui donne la force. Et j'ai même envie de dire qu'il peut décupler ta force. Mais pour ça, tu dois l'accepter dans ton cœur. Alors si tu es dans ce lieu et que tu sens qu'il faut enfin faire cette alliance avec Dieu et appartenir définitivement au Seigneur, car ta vie n'appartient pas au diable, laisse-moi te dire, elle doit être scellée avec Christ jusqu'à son retour. Alors je t'invite à t'approcher. Ne regarde pas le voisin, n'écoute personne, écoute juste ton cœur qui te dit non. Mon enfant, viens à moi, viens à moi. Alors approche et je vais t'aider à faire cette prière, une prière qui va changer radicalement ta vie. Alors approche, lève ta main si tu veux accepter Christ définitivement dans ta vie.
Lève ta main. Ne sois pas hésitant, ne sois pas en train de te poser plusieurs questions. C'est une décision personnelle. C'est une décision définitive. Alors lève ta main. Lève ta main. Je te laisse encore quelques secondes pour t'approcher. Je crois que tout le monde est déjà en crise, alors tu peux acclamer pour toi-même. Nous sommes tous enfants de Dieu et c'est un privilège. Alors acclame pour ta propre vie et j'ai envie de te dire félicitations, toi qui me regardes. C'est pareil, félicitations, toi qui as déjà accepté le Seigneur. Et sous vos acclamations, j'aimerais que vous acclamez pour l'officiant du jour. Continue d'acclamer le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. J'ai invité chacun d'entre nous à pouvoir se rasseoir, alléluia. Et j'aimerais, s'il vous plaît, s'il y a une personne qui nous visite pour la première fois aujourd'hui, qu'elle puisse lever la main, nous allons vous accueillir. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Je vous invite à faire un signe, lever la main. Ok, je vois un frère là-bas, j'invite à te lever également, on va t'accueillir. Church ACR Paris. Si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus dans cette église. Et si vous avez déjà une église, n'hésitez pas à passer vos salutations à vos pasteurs, tout simplement. Donc bienvenue mon frère, tout simplement. Devant toi, il y a des feuilles, une fiche qu'on t'a donnée. Tu peux remplir et qu'il faudra rendre au sortir de l'église aux hôtes et aux hôtesses d'accueil. Également, si vous nous suivez pour la première fois en ligne, n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse suivante, iam.acrp@gmail.com. Également, j'aimerais savoir si, durant la semaine, une personne ou plusieurs auraient célébré, fêté leur anniversaire. J'invite également à lever la main. Ah, je vois une chanteuse ici qui a célébré son anniversaire. On va célébrer ça. Et aussi au fond. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, joyeux anniversaire de la part de toute la méga church à Sœur Paris. Oui, c'était le bon réflexe, tu peux acclamer pour eux. Tu peux acclamer pour eux, un an de plus, c'est pas rien. Et on va maintenant alors passer aux annonces spéciales. Dis avec moi, annonce spéciale. Alors pour la première annonce, nous avons la super mobilisation des partenaires d'Évangile TV qui aura lieu ce jeudi 12 septembre à 20h avec le pasteur Gwen Dresser sous vos acclamations. Donc voilà, il y a encore une mobilisation pour tous ceux qui veulent participer à ce programme de partenariat avec Évangile TV également. Nous avons un cours de soutien scolaire qui est disponible avec le département social. Comme vous le savez, l'année dernière, durant l'année 2023 à 2024, il y a eu des soutiens scolaires gratuits qui ont été proposés à plusieurs élèves et plus de 20 personnes ont bénéficié de cet accompagnement et ont vu leurs notes s'améliorer. Et pour les plus sérieux et réguliers, ils ont obtenu leur baccalauréat avec mention sous vos acclamations. Donc, si vous souhaitez également bénéficier, recevoir cet accompagnement au travers du soutien scolaire, je vous invite à envoyer un message à Kevin Bonda, donc avec le 07 80 74 37 65, ou au responsable Glenn Kuma au 07 81 75 47 23. Pour la troisième annonce, nous avons notre distribution alimentaire au département social ce samedi
14 septembre à partir de 11h, donc à Épinay. Vous avez l'opportunité de vous inscrire dans vos réseaux et dans vos GR. Donc le lien sera envoyé tout simplement et les instructions seront envoyées. Donc ça commence à partir de ce lundi 9 septembre pour s'inscrire avec les coordonnées suivantes 06 05 78 71 61 ou au Instagram de ebenezer.paris. Également, ce dimanche, vous avez l'opportunité et la possibilité de faire une offrande pour le département social. Donc chaque semaine, ou du moins chaque mois, on a le premier dimanche du mois. Donc le dimanche dernier, on n'a pas eu, mais ce dimanche, il y a l'opportunité de le faire. Donc c'est une offrande pour le département social. Également, nous avons le canal WhatsApp de l'église. Vous pouvez le rejoindre. Là-bas, il y a des informations qui sont diffusées en ce qui concerne les événements de l'église et tout ce qui se passe dans la méga church. Donc je vous invite également à rejoindre ce canal WhatsApp. Comme annonce normale, vous le savez, vous pouvez prendre rendez-vous avec les différents pasteurs du ministère de la méga church à l'adresse suivante acerparis@gmail.com. Donc je les cite, nous avons le pasteur principal, le pasteur Paulette Zengue sous vos acclamations, également le pasteur Isaac Tumtum, le pasteur Essim Tumtum, le pasteur Augustin Dadier, le pasteur Syriac Guépé, donc à l'adresse qui a été citée auparavant. Également, nous vous rappelons que les attroupements aux alentours de l'église sont strictement interdits. Il faut se retrouver soit dans le parc pour faire la communion fraternelle ou les seules personnes qui sont habilitées à rester aux alentours de l'église sont celles qui vont au pôle social ou les personnes qui assistent au culte suivant. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever et terminer notre service. Seigneur, merci pour ce culte. Nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la force de prospérer. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes des personnes qui ne sont pas ingrates face à toi, mais des personnes qui sont capables, Seigneur, de te rendre toute la gloire, toute la grâce, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous nous rappelons de toi et de ce que tu fais dans nos vies. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain. Au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Mega Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Mega Church ? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Mega Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Tu en as pas marre d'avoir des dizaines de livres sur ta bibliothèque que tu n'as jamais lus? Vous avez eu 14 clés pour se motiver à travailler. Voici 3 clés pour se motiver à lire. Clé numéro 1, soyez passionné du livre que vous allez lire. Prenez conscience qu'après chaque lecture, votre vie peut radicalement être bouleversée. Prenons un exemple concret. Lorsque vous allez lire le livre de l'apôtre, le diagnostic de votre foi, sachez que votre foi peut radicalement passer à une autre dimension. N'oubliez pas que les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Clé numéro 2. Vous devez planifier votre temps de lecture.
optimisez chaque instant que vous avez pour pouvoir terminer de lire votre livre. Vous pouvez le lire pendant vos temps de pause ou encore pendant vos temps de trajet. Clé numéro 3 est surtout l'une des plus importantes, mettre en pratique ce que vous lisez. Vous devez, au travers des prises de notes dans votre petit carnet, vous remémorer les clés les plus pertinentes que vous avez lues. Et n'oubliez pas, se remplir seulement de la connaissance et ne pas la mettre en pratique, c'est devenir obèse spirituelle. Maintenant, tu as entre tes mains les 3 clés pour te motiver à lire. Alors c'est parti, bonne lecture.